Voilà, celui-là il crame pas. Faut qu'on m'explique. Ok, plus de briquet. Comme ça c'est réglé. Bon. Pas si ça va bien être intéressant ça. Petite mission du seigneur. Ouais, ça part vite quand même. Je me demande si on va quand même pas faire un accéléré. Là-dessus. Juste là-dessus parce que de toute façon ça n'a pas d'importance. Sinon je peux toujours raconter des conneries, puis en plus c'est vrai que le son n'est pas très agréable. Excusez pour le son que vous venez d'entendre, mais j'en profite moi personnellement pour consulter ma boîte de messagerie. Hein. Bon, excusez-moi. Ouais. Pas grand-chose d'intéressant en fait, hein. Dans mon mail. Allez, c'est un Thunderbird. On va aller se faire du zombie. Lol. Là, paye ton... paye ton... t'appelles en français, toi. Les petits ont plus de vie, j'ai l'impression. Et là, le grand fou. Ah bon. Il t'appelle. D'ailleurs, il l'a rendu s'appelle. Non, même pas. Radin, radin. Ah ouais, j'avais dit qu'on mettrait un sharpness sur le. Ah ouais, si je mettais mon sharpness sur la sur l'arc, ça serait démentiel. Ouais, mais bon, celui-là c'était un arc puissance 2. C'est qu'un arc puissance 2. Ça, ça me donne des points à faire. 131. Il y en a un en diams, enfin en diams. Non, en diams j'aimerais bien, mais... En or... En... Écoutez, de toute façon, je vais continuer à faire ça hors caméra, puis je vous retrouve quand je serai level 30 avec cette ferme XP, je pense. Bon, 10... Allez, ouais non, on va faire 5 fusions, ça vaut pas le coup de faire un aller-retour. Bon écoutez, je vous retrouve quand je suis level 10 parce que sinon on va pas s'en sortir. Bon voilà, 30 niveaux, ça a été assez rapide.
fait juste une dernière fournée sur celle-là. J'ai coupé. Hein. Ouais. Bon, ok. Eh ben écoutez, on est reparti. Oh, j'ai même eu un lago de fer, tiens. Bon, par contre, les rares loot, rien, à part le lingot de fer à l'instant, là. Même pas une seconde patate, rien que dalle. J'ai fait que... Voilà, quatre fournées, je crois, pendant que vous étiez pas là. Puis c'est tout. Puis là, on a 31 niveaux, on va pouvoir faire les enchantements que l'on veut. Donc... Donc c'est parti. Allez, ouais, allez, hop, je fais ça rapidement. Et on va donc fusionner les trucs dont on n'a pas besoin. Enfin, si on va fusionner les trucs, voilà quoi. Les efficacités, bah, j'ai deux efficacités. Un, ça envoie les faire. Ah oui, non, les deux tranchants 4, je les veux. Celui-là, c'est la priorité. Parce que ça... Ah, 10 niveaux, rien que pour ça. Bah, vache. Efficacité 2. Bon. Bah, tranchant 5, on a encore un truc à fond. Il m'en faudra un deuxième de tranchant 5 sur la fin. Celui-là, on va mettre dans les trucs à finaliser. Ça là. On va reprendre nos efficacités 2 et en fusionner un maximum. Encore 19 niveaux. Hein? C'est quoi ce bug? Attendez. Je vais 31 moins 10. Ça fait 21, ça fait pas 19. J'ai pas enchanté un truc entre deux. Oula, c'est quoi ce bug? Ah bah si, j'ai mis les deux efficacités. Ah oui, autant pour moi. J'arrête de travailler moi. Bon. Bah ça me fera... regardez, quand j'aurais fusionné ces deux-là, ça ferait efficacité 4. Quand j'aurais fusionné ces deux-là, ça ferait efficacité 4. 4 plus 4, 5. Enfin, efficacité 4 et efficacité 4 égale efficacité 5. Eh ben génial. Je vais pouvoir la mettre sur ma pioche. Sur ma pioche en diamant. Pioche en diamant qui servira certainement dans l'end. Non, on ira miner avec la pioche en diamant. Efficacité 5. Ça ira super vite. Bon, toi tu me stresses depuis que t'es là. 2 radins. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai rien. De toute façon, si je me refais un tableau d'enchantement ici, il va falloir que... Ok, ça... non. Ouais, c'est ça. Bon, de nouveau une petite ellipse. Bon, ok. Je vous explique rapidement, ça fait... Attendez que je regarde. Une demi-heure que l'on s'est quitté, donc j'ai fait du farming, je suis arrivé niveau 36, ça n'augmente presque plus.
Pour la simple bonne raison, bah, que la force d'en tuer, bah, ça ne me manque plus. Donc ce que je vais faire, c'est... Donc vous avez raté deux choses. Premièrement, ici, comment ? En fait, l'idée, en fait, c'était ici de remplacer ici par du verre pour pouvoir bah, simplement rajouter, pour pouvoir voir un petit peu les mobs tomber. J'ai rajouté ça, alors c'est juste des dalles ici, et il y a un bloc plein ici, puis une dalle là. Ça permet de garder l'obscurité, vous voyez qu'il n'y a pas de lumière qui passe, quasiment pas. Et ça laisse spawner quand même les zombies. Donc voilà, donc ça me permet juste de voir un petit peu le truc, voilà. Ici, c'est l'accès à une partie de la grotte qui est paumée. Et en fait, ici, donc évidemment, donc j'ai été chercher du vert. On va remplacer d'ailleurs le vert ensemble. On y est. Voilà. Ça permettra de voir si en haut c'est bloqué ou pas. En fois, j'aimerais bien que peut-être à la limite. Ah, c'est cool comme ça. Voilà. Ça c'est classe comme ça. Bon, ouais, ça c'est moche, mais bon. Bon, allez, dernière petite tournée, tant qu'on y est, au moins là on voit vraiment plus. Et donc ils ont récupéré un peu de cobble qui traînait, parce que quand j'ai... Ah bah oui, ils ont récupéré la cobble tout à l'heure. Évidemment, la cobble qu'il y avait en haut, à ce niveau-là. Alors, vous avez raté deux choses, j'ai dit. Donc, quand je suis arrivé ici, j'ai ouvert la porte, il y avait un zombie qui m'attendait, un zombie villageois, pour être précis. Et donc, il ne peut pas casser la porte, hein, sinon il aurait cogné. Et donc, il essayait de m'avoir, le petit CM2. Bon, il m'a fait qu'un petit peu de dégâts, mais trop fois rien. Et puis, donc évidemment, pour aller chercher le sable, je suis allé derrière. Et il y a un squelette qui m'attendait. Donc, dans la flotte. Donc, on était en plein jour, et pourtant, bah, avec la flotte... Évidemment, il ne pouvait pas mourir, donc vous savez, là, dans le petit lac derrière avec du sable, hein, il m'attendait avec un zombie, donc je me suis dit, bon, ben, retour en arrière. Donc je suis retourné dans ma cabute, là, pendant 5 minutes. Quand je suis ressorti, il m'attendait ici, là, en haut. Donc je l'ai shooté à l'arc, et il m'a droppé un autre arc. Et bah ça au moins vous l'aurez pas raté. Bon, donc il m'a droppé un autre arc. Et donc j'ai eu un rare loot là-dessus. J'ai également eu pas mal de rare loot sur les lingots de fer. Ah oui, puis j'ai également deux épées en fer non enchantées que je peux refusionner avec mon inventaire. Vous savez, comme ça, ça permettra... Il y a trop de mobs là. Il y a trop de mobs. De là, donc je suis en train en même temps d'encoder mes vidéos, donc il est possible, ouais, donc ça lag, ça laguait pas parce que j'étais fixe, mais là avec l'encodage ça le fait pas. Je voulais juste donc faire ça, et donc on va bouger notre équipement d'enchantement. On va bouger notre équipement d'enchantement, ouais, ça rame, c'est à cause de l'encodage que je fais en simultané. Juste récupérer la table d'enchant, la table d'enchant, l'enclume, l'enclume en soi on peut se refaire une peut-être là-bas, ce sera peut-être mieux. Ouais, ce sera mieux. Ce sera mieux, et puis prendre un max de bouquins d'enchantement, tant pis. Bah, je l'ai fusionné ici, de toute façon, cela. On va faire ça ensemble rapidement. Juste les épées, on va les laisser là pour le moment. Les efficacités 3, on va les fusionner, ça va nous faire déjà l'efficiency 5. C'est ce qui va... Alors je me dépêche tout simplement parce que également mon disque dur est en train d'hurler à la mort. Pour me dire que hey, je suis bientôt plein. Voilà, donc on a une efficacité 5. Ça sera pour le diams.
Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Non, ça c'est bon. Donc ok, donc efficiency c'est bon. Les puissances, voilà. Et on a les protections, et on a donc des tranchants. L'affinité aquatique, on s'en fout, ça on s'en fout. Allez, on va prendre un max de choses. On va se débarrasser de certaines choses également. Ça pas besoin, ça pas besoin. Ça, ça. Là, ça, ici. Voilà. On va également. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, pas grand-chose. Le quartz peut être intéressant, remarque, mais bon. Hop, hop, hop. Non, ça, je garde sur moi. D'accord, c'est du chêne et ça, c'est de l'acajou. C'est pour ça que ça se mélangeait pas. Ok, donc ça c'est bon. L'enclume, on va se la faire maintenant. Comme ça, ici. Hop, et hop. Donc on a ça et ça. Quelques bouquins. Tous les bouquins, remarque. Et les épées. En fait, en pierre, pardon, j'ai mis faire un C4. Et on va aller s'aménager le petit coin que j'ai réservé pour ça. Avant de se quitter, parce que voilà, vous voyez un petit peu la chute de FPS que me provoque l'encodage. Parce que je me suis mis en tête de vouloir encoder sans filmer. Enfin voilà, film, en fait, farmer pendant mon encodage de vidéo. Et c'est une mauvaise idée. parce que voilà quoi. Hop, non, comme ça. Ok. On va juste poser notre équipement ici. C'est pour cela que c'est fait. L'enclume ici, elle m'a fait peur d'ailleurs. Hop, ici, ouais. Ouais, comme ça. Ok, et puis on va se faire deux coffres. Pour le moment. Voilà. Donc tout ça. Tout ça. Et on peut encore se faire 13 enchantements. Il me faut juste encore. Ouais. Il me faut encore juste. Enfin, je vais juste déposer 2-3 trucs dans mon coffre à merdier. Tant que j'y suis. Pour le moment, les épées, on va les mettre là. En attendant que ça spawn, les planches, les arcs. Ouais, il n'y avait pas de trucs sur le. Ça, on va le mettre là. L'arc, on va quand même le garder sur nous. Ça. Allez, petite séance d'enchantement avant de nous quitter. Du protection. Bon, allez là, je dis protection moi. Protection encore. Ok.
Non, je peux encore en faire un. Protection 1. Ah, c'est cool. Allez, les protections 1. Ensemble. Là. Donc. On a 3 protections 1. Des puissances 1. Les puissances 1, je sais qu'on en a d'autres. Puissance 2, puissance 4, efficacité des tranchants, là on a encore des tranchants, on va faire des tranchants tout de suite. Tranchants, tranchants, efficacité. Encore un tranchant 1, un efficacité. Tiens, encore ici, il y a un tranchant. Eh ben, c'est cool. Allez. Ouais, écoutez, de toute façon, ça va être encore du farming. Je vais farmer comme ça pendant longtemps. Et puis bah je vais vous montrer les enchantements. Oh, écoutez, moi j'ai coupé là parce que de toute façon avec l'encodage ça va pas. Et ce que je ferai, c'est le prochain bout d'épisode là que je fais, ce sera un accéléré. Pour une fois, je vais faire un accéléré. Je vais farmer, enchanter, farmer, et puis à chaque fois donc vous pourrez voir. Hop, je sais pas, puis non, puis c'est une série en hardcore aussi bien pour moi que pour vous, je vous l'ai dit. Déjà que j'ai fait des coupures que ça me plaît pas. On va se la faire telle quelle. Peut-être que si, quand je vais farmer comme ça, je vais peut-être équiper quand même. Je sais pas. Mais les enchantements, on va les découvrir ensemble. Non, puis remarque, ça va relativement vite. J'ai pas croché. J'ai tout découpé à l'épée, mais j'ai pas... Je suis pas concentré. Allez, les deux protections. Protection 2. Et on va mettre... on va avoir 2 puissance 2. Alors, ouais, attendez, autant que j'y suis, hop, hop. Donc ces deux pelles-là. Voilà, ça peut toujours servir. Qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai encore un lingot de fer qui est tombé visiblement, une patate. J'ai eu un placement en fer, ça je l'ai eu pendant la séance de farming que vous n'avez pas vu. Un tranchant 2, quoi que ça me sert à rien les tranchants, parce que si il va me falloir deux tranchants 5 de toute façon. Les tranchants 5 il va m'en falloir 2, un pour l'épée, un pour l'arc, et
si on a un arc tranchant 5, donc on aura quand même la puissance 5 hein, également dessus. Je vois juste pas. Hein. Voilà. S'il y a un zombie là, je vous montrerai hein, évidemment le top. Je vous laisse, mon disque dur est en train de hurler. Donc de toute façon, je quitte le jeu. Et puis bah, je continuerai. Et bon, on se reprendra de toute façon quand j'aurai fini d'encoder toutes les vidéos. En attendant, donc, j'encode. Et puis, bah, la prochaine séance de vidéo, bah, ce sera du farming d'XP et des enchantements. On essaiera de voir un petit peu au bout de combien de temps on va avoir notre full enchantement. Donc, ce qu'il nous faut, c'est alors au moins 4 P4. 4 protection 4, 2 tranchants 5 et si on pouvait avoir des solidités pour les armures en plus, ça serait génial, mais je pense que de toute façon pour se faire l'Under Dragon, voilà. Ensuite ce sera du farming d'Underman. Pour avoir un max d'Under Pearl et pouvoir se faire les yeux pour compléter le portail de l'End. Et puis voilà, je vous laisse, j'ai plus d'espace 10 sur mon disque dur. Voilà, à plus tard. Ok, donc nous nous retrouvons pour moi le lendemain avec un petit mal de gorge. Voilà, 37 ou 38e épisode, et moi je vous pose une question, mais qu'est-ce que vous foutez encore là? Et moi surtout, qu'est-ce que je fous encore là? Comment ça se fait que j'ai encore en vie? Je vais atteindre les 40 épisodes de survie. Alors que bordel, je suis une merde. Je sais pas. Allez, hop. Une petite tournée de zombies. Dommage qu'on puisse pas purifier la viande de zombie. C'est très sympa, c'est une ressource de bouffe illimitée. Bon, allez, encore une fusion. Voilà. Alors, en fusion, qu'est-ce qu'on peut fusionner? Les deux tranches. Ouais, non, on peut pas. On peut pas s'immiser. Donc voilà, donc on va faire ça, on va... Pourquoi j'ai mis une puissance? Voilà. Ok. Donc voilà, bon bah... On va voir un petit peu ce que ça donne. J'ai l'impression qu'il est très très productif ce spawner. Mais bon. Ça, elle défonce quand même. Bah écoutez, de toute façon ça va être ça, hein, ça va être attendre. Voilà, ah, il y a des zombies qui viennent de spawner. Okay. On va rectifier un petit peu le truc là, parce que ça me plaît pas trop. J'avais de la pierre lisse quelque part. Ou alors je l'ai laissé là-bas. Ah, dommage. Ça aurait été cool de le... On va faire tout ça en... Ou alors tout ça en verre et puis en pierre. Bah je vais faire faire de la pierre, c'est pas un souci, du sable il y en a à proximité. On fera un aller-retour tout à l'heure. Bon. Ça marche très bien, hein, c'est une ferme XP. Avec le petit transfert à l'âge qui va bien.